Salut les filles, Sandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo ma Birchbox du mois de février 2014. Donc, on savait par des petits mails que la Birchbox s'associait avec Princesse Tam Tam. Voilà, ce mois-ci. Donc voilà, on avait reçu pas mal de petites infos. Donc pour ceux qui connaissent pas Birchbox, c'est un abonnement de 13 euros par mois. Donc on a dedans 5 miniatures. Donc des fois des formats voyage et aussi des full size, donc des formats des grands formats. Donc voilà, je l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. J'ai juste enlevé le petit carton pour éviter que ça fasse du bruit. Donc voilà, ce mois-ci, pour moi, elle se présente comme ça. Donc je sais qu'après il y avait beaucoup il y avait plein de boîtes différentes, donc je la trouve sympa. J'aurais préféré avoir une autre boîte, mais bon, voilà, je sais que celle-ci, je la garderai. Donc ensuite, on ouvre. Sans dessus, dessous. Voilà, ça sera le thème. Voilà, Princesse Tam Tam, on se doutait bien que ça allait être quelque chose comme ça. Donc voilà, je lirai ça plus tard. Derrière, il y a les produits qu'il y a dans la Birchbox. Ensuite, à l'intérieur, donc une offre pour Princesse Tam Tam, voilà, 10 euros offerts pour 50 euros d'achat, et ensuite un espèce de petit dépliant où il y a des petites astuces, 10 petits trucs mine de rien. Donc voilà, là on peut voir, il y a un mode d'emploi pour les personnes qui n'arrivent pas trop à mettre du eyeliner, donc moi ça va, j'ai pas trop de problèmes. Voilà, à lire plus tard. Donc ensuite, la box, elle se présente comme ceci. Tac. Donc, on commence. Alors, là, on a une petite crème hydratante multi-usage. Donc, microscopique. Hein. Alors, c'est de la marque Yubi. Cette crème hydratante est depuis le produit numéro 1 des ventes de crème au Japon. Donc voilà, c'est une crème. Il suffit d'une noisette pour hydrater le visage, donc ça va, c'est pas mal, parce que vu ce qu'il y a. Ou encore le bout du nez irrité à température polaire. Pas étonnant qu'elle soit devenue notre best-seller en Angleterre. Donc voilà, un petit pour tester. Alors ensuite, on a un shampoing sec Baptiste. Donc ça c'est bien, parce que je voulais le tester depuis un petit moment. Moi je déteste les, enfin j'aime pas les shampoings secs, mais on m'a dit que c'était pas mal le soir quand par exemple on sortait pour redonner un peu de volume aux cheveux. Donc voilà, j'aime pas trop l'odeur. C'est floral et fruit, donc voilà. Et celui-ci, Baptiste, les 200 ml, c'est 4,89€. Et là on a 50 ml, donc pas grand chose. Voilà. Ensuite, le Beauty Protector, j'ai adoré ce produit là le mois dernier. J'ai eu le soin pour les cheveux, enfin l'après shampoing, non c'était un soin. Beauty Protector, j'adore l'odeur. Ouais, ça sent hyper bon. La protecteur huile, 19 euros les 118 ml. À mon avis, là il n'y a pas grand chose, il n'y a même pas le nombre de millilitres. Donc voilà, ça je vais le tester, c'est clair. Ils disent que ça sent le, il me semble, la barbe à papa ou quelque chose comme ça. Sur les pointes et longueurs, elle fait briller et hydrate le plus. L'odeur des barbes à papa, complètement addictive. Ça c'est clair que l'odeur est super, ça sent hyper bon. J'aurais pas dit de la barbe à papa par contre. Je sais pas, ça sent hyper bon, ça sent le sucré, faut aimer le sucré, mais moi j'adore, je testerai sans problème. Ensuite, de la marque Sempare, lait démaquillant velours, nettoie et adoucit. Donc celui-ci, les 200 ml sont à 29 euros et on a 15 ml. Donc rien du tout. Ça fait pas grand chose. Hein. Alors je vais l'ouvrir pour voir quand même. Bon, super. Ne peut pas être vendu, échantillon. C'est un échantillon. Donc voilà, c'est ce qu'on donne en magasin. Ouf. Oh, ça sent pas bon. Ça me rappelle la crème Nivea où je me décolorais avant la moustache, on peut dire ça. Je me décolorais ici et ça sent exactement la même odeur, ça sent le chimique, ça pue. Franchement, je crois que je me démaquillerais même pas avec ça. Non, ça sent vraiment pas bon. Ouh là là, oh, j'aime pas du tout. Je crois que ça va être compliqué. Je vais peut-être essayer, mais ça me rappelle vraiment l'odeur du produit blanc là qu'on met, parce qu'il y a un produit rose, un produit blanc pour décolorer, c'est l'horreur.
ça me rappelle pas des bons moments. On verra. Alors ensuite, Eyeko, donc qu'est-ce que c'est? C'est un liner feutre. Donc ça par contre, c'est, je suis hyper contente. Voilà, bah, il est nickel. Moi j'utilise ça pour faire mes trail liners, je fais presque un trail liner tous les jours. Et j'utilise un feutre comme ça, donc c'est parfait, ça je vais le tester, nickel, je suis hyper contente. Eyeko, les 2 grammes c'est 11 €, et là c'est pas un full size, on est à 1,2 grammes. Mais bon, je pense que pour tester c'est vraiment bien, j'imagine que ça va durer hyper longtemps, donc très bien, ça me va, ça me va. Et ensuite pour finir, on a un petit sac princesse Tam Tam. Donc ça c'est bien, moi je m'en sers des petits sacs comme ça quand je les ai. Je m'en sers pour mettre mes sous-vêtements dedans, mais pas pour les laisser dans l'armoire ou pour les mettre dans la machine à laver. Je trouve que ça abîme pas les sous-vêtements, on peut les laver sans problème avec ça. Donc je pense que la pochette elle me servira à ça en fait. À la limite pour aller chez quelqu'un dormir, on peut mettre son pyjama, c'est sympa, voilà. Mais moi j'avoue que j'utilise pour laver mes vêtements. Donc en plus ce mois-ci, Princesse Tam Tam, pochette lingerie en tissu tout doux, ce pochon imaginé en exclusivité pour le Big Box est idéal pour ranger vos dessous préférés. Donc moi j'ai une commode pour ranger mes dessous, donc il n'y a pas de problème. Mais ça je l'utiliserai, ouais, pour je pense pour laver mes sous-vêtements. En plus ça se ferme bien. Donc ah non, ça se ferme pas aussi bien que ça. Ah si, c'est bon. Ouais, je pense que je l'utiliserai pour ça. Pour les laver en machine à laver, c'est parfait. Donc voilà, conclusion de la box ce mois-ci. Je suis assez contente. Ça, je voulais le tester, mais je ne l'aurais pas acheté. Donc, un petit. Après, je pense pas que c'est la meilleure odeur. Le liner, je suis hyper contente. Moi, pour une box beauté, il faut au moins un produit de maquillage. Et ça, c'est parfait. Je l'utilise tout le temps. Ça, le Beauty Protector, hyper contente. Je pense que les produits de la gamme, je vais vraiment les tester, les prendre en full size. Je pense que je vais acheter le produit. Donc, ça, je suis hyper contente de l'avoir. Ça, l'horreur. Alors, ça, non. Ça, c'est... Je sais pas si je vais l'utiliser. Et la petite crème, malgré qu'elle soit toute petite, si c'est un best-seller, pourquoi pas voir. Je vais la tester, puis on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai. De toute façon, je vous reparlerai de tous les produits quand je les aurai testés. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et j'ai aussi fait un petit concours il y a pas longtemps sur la marque Belle. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous dis à bientôt. Bisous.